fils de Dieu. Non, je ne veux pas qu'il 17 ans. Il avait entre 16 et 17 ans. Mais il y a un moment, personne n'aura pitié de toi. Parce que Dieu n'a pas d'autre moyen que de te pousser dans ta destinée à toi. Personne ne te regardera. Dieu permettra que les portes soient fermées à gauche à droite. Parce que tu as une histoire avec l'éternité avec Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Parce qu'il y a un frère qui t'a soutenu, qui te dit je te bénis. If there's a brother that comes to you, just say, regarde la personne qui t'a fait mal au cœur, je dis, je pleure. Dis-le bien. Dis-le bien parce que je comprends que je suis sur le chemin de mon éternité. Suivez bien ce qui se passe. Listen this on attrape Joseph. They take Joseph. On les jette où? Where do they throw him? Dans une citerne, ok? In a allez, je vais encourager quelqu'un qui se sent seul dans une citerne. Everybody non, Dieu ne t'a pas oublié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, je parle à quelqu'un qui traverse la sécheresse dans une citerne où il n'y a pas d'eau. Tu es seul dans le noir. Est-ce que je parle à quelqu'un de l'autre? Non, je dis à quelqu'un, tu es au bon endroit. La citerne, c'est le bon endroit. Est-ce qu'on est ensemble? Je continue, je vais revenir. Non seulement ça. Not only that. Ses propres frères le vent. His own brother said, ah, mais là c'est compliqué. This is very complicated. Mais allez vérifier dans les Écritures. Very par les gens qu'on l'a acheté par des Arabes. As he was bought by c'est bizarre ces gens. Les chameaux transportaient 3-4 éléments. The camels were transporting 4 elements. La Bible dit il y avait quoi? The Bible said there was. Sur ce chameau-là. On this camel. Premier élément. The first thing. Il y avait de la mire. Perfume. Non. Is that correct? Quelqu'un n'a pas compris. Dans les sacs des gens qui ont acheté Joseph. Lui, il s'est dit, je suis prisonnier. Il s'est dit, I'm a prisoner. Ces gens-là viennent d'ailleurs. They come from far away. Ils ont seulement les Ismaélites. Ils ont acheté Joseph. They bought Joseph. Mais ce que personne ne savait, what people did dans les sacs de ces personnes, in the bags of those il y avait des objets qui appartiennent à la royauté. Wow. They had things that wow. Il y avait de la mire. Il y avait des l'encens, il y avait des avants. C'est exactement ce que le roi mage avait dans leur main bien-aimée pour aller chercher le roi qui est né quelque part. Bien-aimée, on est en train de te vendre, mais tu es le roi assis sur le chemin de l'éternité. Dieu a mis ces choses à l'intérieur. God has placed those things inside. Ça va venir, l'ange de l'avenir. On va acheter ces choses-là. On va les ramener. Tous qui ne savaient pas, ils sont en train de les ramener petit à petit. Pour aller rentrer dans son éternité. Ma prière qui était larme se transforme en larme de joie. Pour est-ce que tu parles à quelqu'un? Quand tu sors bien d'ici, même celui qui ne croyait plus à toi, il dit je te salue, je te bénis. Parce que je suis sur le chemin de mon éternité. Ma seule prière, c'est que tu ne meurs pas encore. Reste vivante. Reste vivante. Pour que tu parles aussi de mon histoire. Je reviens dans mon texte. Je reviens. I'm coming back. Écoutez ce qui se passe. Listen to this. Genèse 12 commence par quoi? Genesis 12 starts by what? Genèse 11 finit que papa est mort. Genesis 11 finishes by the père d'Abraham est mort. The father of Abraham died. Genèse 12 1 commence à Genesis 12 1 entend la voix de Dieu. Where to hear the voice of God. Je crois pas. Aux églises, là nous sommes l'église complète. Vous n'êtes pas encore une église. We're not a church yet. Vous êtes un groupement ethnique. You are just an ethnic grouping. Non, nous ne sommes l'église ivoirienne. No, you're my brother church. No, you're not a church. C'est un petit groupe de gens. You're a small group of people from Ivory Coast here. Non, nous sommes l'église des Noirs américains. No, we're a church of Black Americans. No, not yet. Not yet. Tiens, je ne veux pas encore. Tell someone not yet. Donc, parce que la première chose que Dieu commence pour la notion de l'église. The first thing that God starts with the notion of the church. Il dit à Abraham, pas où? Sans que là. Does Abraham to get out of? La différence entre un pays, le pays c'est un espace géographique. The country is just a geographical space. Un pays n'est pas forcément une nation. A country is not necessarily a nation. Un pays n'est pas forcément une patrie. A country is not necessarily a patriot. Si tu pries ici parce que le pasteur congolais, if you pray here because the pastor tu as tout faux. You really are making a mistake. Si tu pries ici parce que le pasteur est un Africain, if you pray here because the pastor is African, il y a quelqu'un que tu aimes,
du faux. Tell someone that you're making a mistake. L'église, the church, n'est peut-être pas ce que nous pensons. The church is not what we aujourd'hui, les églises, c'est le groupement des Camerounais entre eux. Et nous, les entre-eux, ils se sont fait la chanson. Si tu voulais donner à Amos une église des Congolais, c'est au Congo que tu regardais là-bas. The church for Congolese, you would have done so in the Congo. Pas ici. Allez. Chez nous, on ne parle pas lingala, c'est interdit. By Congo, you don't speak lingala, it's not, it's forbidden. Interdit. It's forbidden. Parce que nous sommes plus de 25 nationalités. Because we are 25 nations. Plus de 25. 25, more than 25. Je suis en train de d'aller de venir quelque part. I'm coming somewhere, I'm getting somewhere. Abraham, tant qu'il était toujours dans les groupes familiales, il était Abraham toujours avec et avec et avec. Quand le père est mort, Genèse 12, 1 commence, Dieu dit à Abraham, maintenant, va-t'en de ton pays. Get out of your country. Sors de ta patrie. Get out of your patrie. Quand je parle de ta patrie, ça vient de patrimoine latin. Le patrimoine latin, c'est l'héritage des ancêtres. It is the heritage of your ancestors. On est à l'aise avec nous, nous les Congolais, on s'en passe, nous les Ivoiriens, on s'en passe, nous-mêmes les qui encore, les Tchadiens, on s'en passe, entre nous, on est à l'aise, nous ne sommes pas encore devenus devenir l'église du Seigneur, je suis désolé. Sors de ton pays, tu l'as fait, leave your country. Mais sors de ta patrie, leave your patriarch. De la tradition culturelle, of your tradition cultural aspect. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Je vais parler du temps rapidement. Donc, laissez-moi poser ces deux trois questions. I have a few things, one more things to talk about. Ça veut c'est pas moi en fait. You know, this place actually. Ça peut être une salle normale où les gens viennent faire leur fête. It could be a party place, you know. Il y a des églises où les gens louent le samedi, sur la fête, Sunday le matin, they do a party. Après les gens viennent faire leur fête. And then suddenly they come and pray. Et c'est un endroit but this place, qui est un endroit spécial à cause de trois choses. This place becomes special because of si on peut considérer que cet endroit est une église, if we consider this place to be a church, premièrement, because number one, parce que là où il y a un hôtel, because where there is a il y a un sacrifice. There's a sacrifice. Et derrière chaque sacrifice, il y a une divinité. There's divinity. It is a dignity. Thank you. Comprenez? You understand? Devant tout endroit où il y a un hôtel. L'hôtel c'est un point de communication entre le ciel et la terre. Comme les anciens rochers. Dans le temple maçonnique, c'est une salle aussi. Mais on ne peut pas appeler ça église parce qu'ils sont un hôtel. Mais sur l'hôtel là, le sacrifice qu'ils posent dessus n'a rien à voir avec le Dieu que toi tu sers. Anything to do with the God that you and I serve. Cet endroit s'appelle église à cause de cet endroit-là qu'on appelle l'hôtel. Is a church because of this spot. C'est cet endroit-là bien qui fait de ces lieux parce que c'est sur cet endroit-là bien que nous construisons notre offrande. C'est en ces lieux bien que nous dédions un culte. Si on enlève tout ça à l'hôtel, ça devient une salle normale. It becomes a regular room if we remove all this pulpit. Et c'est ça qui change en fait. And this is what tant qu'il n'y a pas d'hôtel, on ne peut pas parler dans le culte. Non. You cannot really talk about the church. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Ça change ma perception quand je viens dans ce lieu. It changes my perception when I come to this place. Je ne viens pas faire une rencontre entre les jeunes comme on fait les rencontres. Je vais en parler rapidement tout à l'heure. Je ne viens pas juste rencontrer quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. Ah, il a ma tête, je veux que tu là-bas. Ou après celui qui me donne mon argent, je vais dans cette église-là. Après, à la fin du culte, je récupère mon argent. Non, ce n'est pas ça. Money, this is not the right place for that. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Dieu dit à Abraham, pars de ton pays. C'est ce que tout le monde ici a fait. Mais nous sommes partis de notre pays, mais nous sommes restés dans notre culture. We came out of our country, but we kept the culture.
Les autres ne peuvent pas rester parce qu'ils ne se retrouvent pas. People cannot stay because they don't find themselves. Les autres ne peuvent pas rester longtemps parce que non. People cannot stay long. Ils sont étrangers. They feel like they're strangers. Les autres sentent que non, nous sommes dominés. People feel that they're dominated. Est-ce que quelqu'un m'entend? Are you listening to me? Alors, are we together? C'est pourquoi tu es ici? Do you know why you're here? C'est pourquoi tu es ici? Do you know why you're here? Pars de ton pays, va-t'en de ta patrie. Va vers le pays vers lequel je t'envoie. C'est alors que tu verras la manifestation de la notion de l'Église. Nous prions, nous faisons beaucoup d'efforts, mais nous-mêmes, nous bloquons la grâce de Dieu. Beaucoup de méfiance, beaucoup de choses. Un Congolais qui se marie, le Congolais ne devient pas. Le Congolais qui se marie, le Congolais ne devient pas. Et ça, c'est ça dans les églises. On sent que il y a de petits groupes, même sur les ça fait la gloire de Dieu. Dieu ne se retrouve pas dans son adresse de Dieu. Nous devons débloquer ces choses pour que le ciel puisse répondre à sa levée. Je vous le dis, on n'a pas besoin de prier pendant 100 minutes. La gloire n'est pas loin, la gloire est là, la gloire est là. Enlève le parapluie, bien-aimé. Take off the umbrella, remove your umbrellas. Quand c'est entre à l'ivoirien, viens. Come here. Hey, mon frère. Mon frère. Entre congolais. Congolais. Oh, my Congolese brother. Mais entre un congolais et un camerounais. Congolais et camerounais. Je. Hello. Alors que la Bible dit, the Bible says, si nous brisons les barrières que tu as, if we are si nous brisons toutes ces autres barrières, là où deux ou trois sont réunis en son nom, la gloire de Dieu descend. On n'aura pas besoin de prier sans jeûne, mes jeunes. On n'aura pas besoin, parce que Dieu c'est des choses de retour. C'est là où il y a ma gloire, c'est mon adresse. Je lui donne ma grâce. Les miracles sont là, la gloire de Dieu est là. Même on n'aurait pas besoin d'évangéliser, les gens vont venir quand même. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? L'église, ce n'est pas ça. Si personne, ils ont pris le pasteur en otage. Il y a eux qui ont les prophéties. Les pasteurs n'écoutent pas d'autres personnes. Les pasteurs n'écoutent que eux. Ah non, il y a un problème. Je dis à quelqu'un, il y a un problème. Non, je dis à quelqu'un, il y a un problème. Il n'y a que nos prophéties qui sont bonnes. Mais la prophétie de Seigneur dit, lui aussi il prophétise. Dieu est libre d'utiliser qui il veut de la manière dont il veut. Et sa gloire est formulée. C'est nous sommes des dieux. Libérez-nous de ces contraintes. Amen. Il paraît que c'est eux qui donnent l'argent au pasteur. Oh, he gives you money. Tu peux partir avec ta voiture. Oh, you take the coin and go. Parce que j'ai un grand Dieu. Oh, because I have a great God. J'ai dit à quelqu'un, j'ai un grand Dieu. Oh, non, j'ai dit que j'ai un grand Dieu. C'est de parler à quelqu'un. Non, j'ai dit à quelqu'un, j'ai un grand Dieu. Mais sa main n'est pas courte. Il n'abandonne jamais ses serviteurs. C'est difficile de me diriger moi. C'est difficile. Est-ce que quelqu'un peut donner une acclamation à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner une acclamation à Jésus? Church is not about that time.
N'existe pas le protocole. Tu es un S'il vous plaît, please. Non, c'est pas ça l'Église. L'Église, c'est la manifestation de l'amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un de l'amour? La démonstration de cet amour. The demonstration of that love. Cet endroit deviendra petit. This place will be ils viendront partout. Parce que l'amour crée le plus grand miracle de tout. It's the love that is the greatest miracle in this place. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Est-ce que nous sommes en train de vivre la vie? Il faut que je dise quelque chose. I need to make something. Je laisse deux ou trois choses. Alors, listen to me very well. Parce qu'il faut que je parle du dernier temps. Because I have to talk about the last one. Je t'en supplie. I'm begging you. Si tu peux faire tomber toutes les barrières. If you can break all the barriers. Please forget that your tongue is in your head. Oublie que tu es ivoirien. Tu vois tout. You have to marry the mentality. Quand on te voit, on voit Jésus. When they see you, they see. Quand on te voit, bien aimé, on voit le royaume. When they see you, they see the kingdom. Quand on te voit, c'est un citoyen du ciel. They see you as a citizen. Est-ce qu'on est ensemble? Yes, sir. Je vais aller vite. Donc, nous comprenons bien que l'Église. Oui. Allez, rapidement, je vais dire ce que l'Église n'est pas. C'est que l'Église n'est pas. What the church is not. Non, ça, ça, je vais travailler, il faut que je le dise. Ne pas bien. Listen to me. Le mot Église veut dire écalé. Vous savez que? Church means écalé. C'est or. Ecaleo en grec, appelé, ok? Greek. Mais en réalité, en fait, quand on parle de ecaleo, il ne s'agit pas seulement de l'église. Tu as fait des sciences politiques, tu le connais. C'est-à-dire que quand on l'appelle ecaleo, c'est-à-dire que toute personne qui rassemble les gens qui les sortent de l'endroit, la notion de l'église était une notion populaire chez les Grecs. It is someone who takes away people and sets them aside. Ekaleo n'est pas réservé exclusivement à l'église. Ekaleo is not only for the church. C'est une notion populaire qui existait. On prend des gens, on les ramène au parlement pour pouvoir parler. They take people to bring to the parliament in order for them. Est-ce qu'on est ensemble? Okay. Mais je voudrais expliquer ce que l'église n'est pas. L'église n'est pas l'entité de l'église, hein? Ce que l'église n'est pas. What the church is not. L'église n'est pas une ONG. The church is not a non-profit organization. So, non-profitable, quoi? Non-profitable. Voilà, ce n'est pas ça l'église. It is not a 501c. Oh non, je vais là-bas parce que j'aurai des avantages. Non! I'll go there because I have certain le seul advantage, avantage que tu as dans l'église est de gagner au Seigneur pour aller au ciel. La seule chose principale, c'est d'abord ça. The Lord to go to heaven. Ce que l'église n'est pas. L'église n'est pas. Is not. Je répète. I'm repeating. Le non-profit organization. Non-profit organization. Ce n'est pas une ONG. Organization. Absolutely not. On est ensemble? Are we together? Donc si tu viens seulement à l'église pour des aides. If you just come into church to be helped. La croix rouge, c'est le faire. Hein? The Red Cross will. Ah ben oui. La croix rouge, c'est le faire. The Red Cross will. The Salvation Army will close to. Il est sur la croix rouge. La seule motivation, la seule bataille, le permet fight qui calme notre cœur. Non, l'église, ça nous ouvre la porte, bien aimé, pour aller au ciel. Est-ce que quelqu'un m'entend, bien aimé? Donc, détourne ta tête des autres. On demande parfois à l'église des choses que l'église ne peut pas nous donner. We ask so many things to the church that the church cannot give us all those things. On peut créer ces choses, c'est bien. On peut we can create those things. Non, je veux voir les vêtements. We can aimer. Que pour le Seigneur, c'est d'abord secondaire. Crois au Seigneur Jésus. Believe in the Lord Jesus Christ. Crois d'abord. Believe first. Crois d'abord. You. On commence d'abord par le Seigneur. Matthieu 6, 34, quand on lui cherchez d'abord the Bible says, le royaume first. Et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par you. Ça ne marche pas parce que tu attends d'abord les aides. Arrêtez. You have to stop that. Stop it. On est ensemble? Are we together? Je ne dis pas que l'église ne peut pas aider, je ne parle pas de saying that the church cannot help. Mais la motivation de l'église, c'est pour nous permettre d'aller au ciel. The first goal of the church is to help us. L'église n'est pas un business. The church is not a business.
Deux personnes disent, bon, on va monter notre business. Okay, so we will say, well, you know, toi, tu es trésorier, oh, hein? You're a treasure, okay. Pendant 10 ans. For 2 years, et puis la troisième année, moi, je pars à la trésorerie. The third one, I take the treasure. Non. Okay. Non. Et j'entends les gens, tu es un business. Non, non, God is a God of business. Tu ne peux pas comparer Dieu lui-même aux businessmen de ce monde. Ils sont remplis de profits, ils sont remplis de... Mais non, Dieu est plus qu'un businessman. Est-ce que quelqu'un vous a bien aimé? Donc on ne vient pas à l'église pour se chercher des titres, chercher l'argent. Nous ne sommes pas dans un business. Le business a été déjà fait par Jésus. Jésus a donné sa vie, voilà le meilleur business. Pour que toi et moi nous soyons. Thank you. Oh. Business? No business. Business? No. On est ensemble. Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Le matin, ils viennent à l'église, ils ont dans des sacs. J'ai les chaussures, j'ai les cadeaux. Derrière, ils sont Californiens. Derrière. J'ai les mariages, ma dossier. I have a film over here, non. Don't do that. C'est pas juste. That's not right. On est ensemble. Are we together? C'est-à-dire que... This person has and then you sell that. Oh no, now we're running. Yeah. Is it looking happy? Good belongs you. And yeah, I don't think it's just going to just close out like that. Go! Yeah! It's been 3 months you owe him money. Let me know it. You have it. You still got a bet. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Je vais rapidement, faut que je finisse. C'est pas un business, non? It's not a business, number two. Matthieu 21, maintenant vous connaissez l'église, c'est pas un marché, non! It's not a market. C'est pas un marché! It is not. Non, non, non! Absolutely not. Pas un business, pas un marché, je vais rapidement. L'église n'est pas un club d'amis. Pas un club d'amis. Non. Ou des potes se rencontrent entre eux. Ils créent leur mouvement. The buddies meet amongst themselves and do the thing. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Il y a quelqu'un? Non. C'est someone. À l'église, on ne vient pas chercher des amis. The church, you don't come to look for friends. Est-ce qu'on est ensemble? Je vais rapidement. Really quick. Jean 7. Jean chapitre 5. John chapter 5. L'église n'est pas un lieu de compétition. The church is not a spot where you come to compete. Dimanche, j'ai donné que ma robe là, ils vont essayer. This Sunday, my dress was like this. C'est pas un lieu de compétition. This is not a spot where you come and compete and show. Je vais chanter aujourd'hui. I will sing. Le Lord va sentir comme un jour. You will feel my anointing when I sing that song. Quelqu'un dit amen. Amen. Quelqu'un dit non, pas la compétition. Oh, dis-le bien, pas la compétition. Like vous avez quatre serviteurs, l'autre dit, je vais prêcher pour faire sentir à votre cœur. Je vois plus que lui. Dieu n'est pas là. Non, that is not there. Quelqu'un dit amen. 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 Si tu ne peux pas écrire un livre, hein, laisse-moi ce que tu peux écrire. If you cannot write a book and let les gens qui vont lire les livres de ce que les autres ont bien. C'est tout. Est-ce que l'ensemble est levé? Amen. La Bible a costumé aujourd'hui. Il va les amis de sous, non? Dites que ce n'est pas un lieu de compétition. It is not a place of competition. C'est pas un lieu de compétition. It is not a place of competition. L'église n'est pas un fan club, c'est pas un tribunal, je l'invite. The church is not a fan club or a tribunal. Alors je veux vous dire quelque chose maintenant d'important pour aller dans le véhicule, non? Dans le dernier véhicule dans le temps. I would like to tell you something important to get to me. Écoutez-moi très bien. Listen to me. La thèse de l'église. The theme of the church. L'église, c'est d'abord une vision. The church is a vision. Je peux répéter? Can I repeat this? C'est pas d'abord la vision d'Amos. It is not necessarily the vision of Amos. Abraham a eu enchanté. Abraham felt it. Dans le pays de ses pères. He was in the country of his father. Abraham n'avait jamais imaginé que Dieu pouvait se servir de lui. Abraham never thought. Amos était loin là où il était dans ses affaires. Amos was far away. Amos était en train de s'occuper de ses affaires, bien aimé. Amos was taking care of his business. Amos ne s'est pas appelé lui-même. Amos didn't call. Pour dire que je vais commencer là. Say, oh, I was mais Amos a entendu la voix de quelqu'un qui était en train de chercher un homme. Dieu lui dit, je cherche un homme. God said, I'm looking for a man. Dieu lui dit, je cherche une femme. God said, I'm looking for a woman. Dieu voyait les assassinats pendant que tu n'étais pas encore là. Dieu voyait la misère à Cincinnati, bien aimé. Dieu lui dit, j'ai une vision pour Cincinnati. Vision
Donc c'est quelqu'un m'entend me lever. L'église, c'est la vision de Dieu pour la vie des signatures. Est-ce que pour quelqu'un me lever? Je répète encore, l'église, c'est la vision de Dieu, la pensée de Dieu, le souci de Dieu pour la vie des signatures. Tu n'étais pas encore arrivé ici à Cincinnati, mais Dieu avait réservé déjà cette place-là aux yeux. Est-ce que pour quelqu'un me lever? Tu étais encore au fin fond de l'Afrique. Tu n'étais peut-être pas encore né. Mais Dieu travaille pour toi. Voilà pourquoi un homme de Dieu c'est une bénédiction pour l'église. Ah, est-ce que c'est pas quelque chose? Un homme de Dieu c'est un don. Nous ne comprenons pas. On insulte les hommes de Dieu. Si vous voulez des malédictions, il est vivant dans votre vie. Quand on parle des hommes de Dieu, ne parlez pas. Parce que son histoire a commencé, il n'était pas né encore. Abraham, vous êtes né. Donc, ils ont chanté très loin. Dieu a commencé à travailler avec Abraham. Mais Dieu a commencé à. Je vais vous dire une chose. J'ai une jeunesse compliquée. J'ai jamais fait du monde tout le monde. À Paris, si tu viens, tu me donnes telle boîte, c'est tout où je ne connais pas. C'est-à-dire qu'il y a des sacrifices que j'ai fait dans ma vie sans le savoir pourquoi. J'ai jamais bu, j'ai jamais fumé, mes amis. Non, ça m'a jamais tenté. Alors, on pose la question pourquoi? Moi, je ne sais pas. Oh, il y a des hommes et des femmes qui sont préparés pour la gloire de Dieu. Oh, il y a des hommes qui sont préparés bien-même pour les choses futures. Quand je dis à quelqu'un, garde ta virginité, garde ta propreté, garde ta conscience, parce qu'il y a une saison qui est en train d'arriver. Où tu es en train de chasser une vierge. Il y avait plusieurs vierges dans la ville, mais il y avait seulement Marie qui avait, qui répondait au critère de Dieu. Que la génération de Marie puisse se lever. La génération de Marie puisse se garder encore. Parce que Dieu va faire avec toi ce qu'il n'a jamais fait avec personne. Si tu es là, dis Seigneur, cette parole est pour moi. Si tu es là, Seigneur, dis Seigneur, aide-moi. Help me. C'est bien de changer l'église de pierre. Change encore l'église. C'est l'image qui va venir. Va là. Ne sois l'image. Va encore là. Les images que tu cherches, c'est la raison. Mais c'est que tu ne sais pas. Tu dois aimer. La qualité ou la force de l'église, ce n'est pas le nombre de membres. Est-ce que quelqu'un m'entend de l'aimer? Est-ce que quelqu'un m'entend de l'aimer? C'est le niveau, la qualité du sacrifice de l'aimer qui est dans cet homme-là. Oh, cet homme-là qui ne sait pas que Dieu l'a retiré. You don't know that God has taken you away. Vous suivez le nombre? Are you listening to me? Tu tournes en. Alors que Dieu a préparé. Quand Dieu veut bénir une personne, il fait quoi? Il a placé bien-aimé quelqu'un sur ton chemin. Dans un point d'amour, si Dieu l'a placé pour le chemin de quelqu'un. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu l'a placé pour la bénédiction de quelqu'un. Et nous loupons nos bénédictions comme ça pour la même chose. Mais cet homme de Dieu ne te connaît pas. Même s'il fait pour toi, la pluie ne descendra pas bien. Il faut un Ananias pour quoi? Est-ce que je parle à quelqu'un? L'église est une vision. The church is a je connais dans toute l'histoire de la parole de Dieu. I know in the entire story. Toutes les personnes qui se sont opposées à Dieu. Every single person that went. Toutes les personnes qui se sont élevées contre la vision de Dieu. Every person that. Dieu a fini par les écraser. Les héros qui se sont levés. Les pirates qui se sont levés. All those people. Dieu finit par les écraser. Non, je m'adresse bien à tous les héros, à tous les pirates, à toutes les personnes qui se lèvent contre cette église-là. Tu ne pourras pas tenir contre la vision de Dieu. Dieu se met au roi comme personne. Quand il marque sa vision, Dieu finira par là l'accomplir. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Je ne sais pas si votre pasteur vous a expliqué un peu l'histoire de ce qu'on appelle. Alors, peut-être le jour où vous expliquerez la histoire. Moi, en réalité, dans ma formation de base, je suis un ingénieur de formation. Donc, dans ma tête, je me disais, je veux faire ça, je veux devenir ça, je veux devenir ça, je veux devenir ça. Alors que dans le plan de Dieu, Dieu a dit, j'ai trouvé déjà quelqu'un. Non, je prie que tu sois là, celui que Dieu a déjà trouvé. Tu te serviras pas le délit comme. Tu rentreras bien aimé à servir l'Éternel notre Dieu pour une personne qui s'est choisie. Est-ce qu'on est ensemble? L'église est une vision. The church is a vision. L'église n'est pas comme ça, on vient. Hey, qu'est-ce que tu fais, le pasteur? Fais attention. Be careful. Par contre, fais attention. Be careful.
Entre Balaam et Bala qui veulent. Tu connais le peuple qui arrive là? Ce peuple vient de très loin. Oh, les gens ne te connaissent pas. Ton histoire n'a pas commencé ici à Sicilie. Tu as commencé avec Dieu depuis ton pays là. Il y a des gens qui ont un contrat avec Dieu. Est-ce que nous sommes venus? Et comme dit Seigneur, aide-moi. Je vis. L'église est un programme. The church is a program. Attends. The schedule. Le programme de Dieu. The schedule. Pour une nation. Et Dieu dit, je suis capable de donner l'Égypte en morceaux. Dieu va tuer des gens. But Dieu a tué le père d'Abraham qui est encore en santé. Who was still in good health. Il y a des gens qui meurent dans nos familles parce que c'est Dieu qui les prend. There's some people that die now. Parce que Dieu sait que s'il reste là, ils vont empêcher ton appel de se manifester. Il y a des maris que tu vas tuer. So God kills. Parce que le programme de Dieu doit se faire. The schedule of God has to happen. Vous savez, quand une machine à laver est en train de tourner, you know, cette machine est vieille, la machine tourne. Oh, je parle à quelqu'un de l'aimer. Oh, il n'y a pas longtemps que la machine. Parce que c'est un programme que Dieu a placé. Ce programme-là, ça finira par ça. Est-ce qu'on est ensemble de l'aimer? Pour que Dieu puisse te bénir, tu dois rentrer dans son programme. Ta vie doit être connectée à la vie de la personne que Dieu a choisie. Si c'est Amos, tu tourneras 100 ans à gauche à droite. Tant que tu ne reviens pas là, ta bénédiction va t'arriver. Dieu travaille comme ça. Dieu s'attache aux hommes, Dieu s'attache au milieu, Dieu s'attache au pays. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit encore Amen. Quelqu'un dit Seigneur, aide-moi. Salut. Vous lirez Matthieu 25 et 13. Je vais aller vite. L'église est une salle d'attente. Là, on parle de vierges fortes et sages. C'est-à-dire que l'église, c'est la véritable salle d'attente. Ça fait beaucoup de temps. Mais le médecin finira par recevoir. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, nous sommes en attente d'une rencontre. Le meilleur endroit où tu puisses rester, t'es réfugié, le meilleur endroit de rester, c'est pas à la maison chez toi, c'est dans l'église du Seigneur. To find refuge is not at home, it is at church. Tu es dans la salle d'attente. You are in the waiting room. Tu es dans la salle. You are in a... Je ne connais pas quelqu'un qui attend une médecin, on lui dit, viens, tu vas là-bas. C'est ça que le séminaire fort. Oh, il y a un séminaire là-bas. Comment tu peux aller dans le séminaire? Tu n'as pas demandé à ton pasteur. Ça s'appelle de l'insoumission. It is a submission. Comment tu peux aller prêcher ailleurs? Ton pasteur n'est pas au courant. Your pastor doesn't even know what's going on. Comment tu peux organiser un séminaire ou quelque chose sans que ton pasteur soit au courant? Tu es dans l'état de l'onction? They don't even know the anointing that's over there. Connecté à quoi? What are you connected to? C'est une malédiction, ça ne marche pas. Tant que tu es ici, bébé, tu es connecté à l'onction de l'ange de la maison. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même pour voyager, tu l'appelles, il prie au téléphone. Tu commences les affaires, tu n'es pas connecté à l'ange que tu as placé. To the man of God who placed you there. Non. Ça ne marche pas comme ça. It doesn't work like that. Est-ce que nous ensemble? Are we together? Nous sommes dans la salle là. We are in the salle d'attente, je vais rapidement, je vais donner deux, trois éléments et je termine. Alors si vous lisez Ephésiens 5, puis l'histoire d'Esther, l'église élevée est un endroit de préparation et d'équipement. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu ne crois pas qu'elle explique que tu es dans le Seigneur, depuis dans l'église, même ta beauté a changé. Non, non, dis-moi un peu l'autre. Tu vois pas que les choses ont changé? Mais les lieux Esther devaient être pris pendant 12 mois. Les autres doivent te préparer. Même si tu n'as pas fait une grande école, même si tu n'as pas fait le parcours de tout le monde, mais l'église est le lieu d'équipement. Dieu va t'équiper. Dieu va t'équiper. On est ensemble. Est-ce que tu te laisses enseigner? Est-ce que quand on dit qu'il y a une petite réunion ici, est-ce que tu te laisses enseigner? Ce n'est pas le lieu de l'Internet. Les gens qui suivent l'Internet, un problème d'arrivée. Appelle le pasteur de l'Internet qui vient te visiter. Ok, call the pastor from the Internet, TD Jakes, for you to come and visit you. Appelle-le. Il ne connaît même pas déjà. He doesn't even know you. C'est un monde. Dieu t'a donné un ange qui est à côté de toi. À 2h, à 3h, à 14h. Il y a des fois que nous sommes dans la vie jusqu'à 2h du matin, 3h. Avec le petit. Parce que
que nous devons aller rendre visite. Because mais toi, tu veux le Dieu d'Internet. But you want the God from il s'appelle comment le Dieu d'Internet? Okay, what's the YouTube pastor that you... Il y en a beaucoup ici Internet. Just many of them. Quand on finissait de prêcher ici à 19h, on a un culte avec plein de soir. We finish praying here, they go to YouTube and forward. Il y en a qui envoient leur dîme au Congo, en Côte d'Ivoire, au Nigeria, ou encore au Bénin. Ils envoient leur dîme. C'est pas juste. Quelqu'un dit c'est pas juste. Quelqu'un dit où tu crois à l'homme que Dieu a établi là, où tu ne crois pas en lui. Whether you believe in him, the man of God. Alors laisse les enfants qui croient à cette grâce, et se connecter à cette grâce, et les monter en puissance. And to show the power. Et terminer les mots. I finish really quick. Pourquoi je parlais il y a deux ans? Why have I talked about the last si vous lisez Luc chapitre 10, if you read Luke chapter 10, vous lisez également Jean chapitre 5. You also read John chapter 5. Je vais vous expliquer quelque chose. I would like to explain something. Partir du verset 38, vous descendez l'histoire du bon samaritain. You go to the story of the good Samaritan. Suivez-moi. Cet homme descendait d'où? En Samaritain. This man was coming from where? Il descendait d'où? Where was he coming from? Le fils. Pour le chien. Suivez-le. Listen to me. Heureusement que nous avons un Dieu de la seconde chance. We have a God of second chances. Personne n'explique. Nous nous prenons toujours. Le meilleur, c'est toujours dans notre église. We always think that the best is always in God. C'est ce que nous croyons. This is what we believe. Toutes les églises que vous voyez, les gens pardonnent. God forgive me. Ne prie pas le même Dieu que tu crois. They don't pray the same God that you believe. Les hôtels qu'il y a dans certaines églises, the pulpit that you have in certain, le sacrifice qui montre là, c'est pas le sacrifice Dieu que tu crois. There is not the same sacrifice that God. Vous allez voir un miracle, vous allez voir des choses se faire. You will see some miracles. Et il y a que le serviteur là qui sait la source de son. Only the servant knows the source of those things. Je sais ce que je dis. I know what I'm talking about. Là, dis, laisse le faire. Tu reçois. You see, you receive, receive. Tu reçois. We keep receiving. Vous connaissez 10,000 members. Ce qu'il y a dans l'hôtel. We don't know what they have underneath the pool. Beaucoup de mélanges aujourd'hui. Many, many mixtures. Beaucoup de mélanges. Many mixtures. Toutes les onctions, all ils sont pas venus en are not coming straight from God. Je prie l'église du Seigneur de faire très attention. I'm telling the church to be. Vous savez ce qui s'est passé en fait, c'était quoi? You know what happened? Cet homme était, on n'a pas cité son nom. They didn't say his name. Il était à Jérusalem. He was in Jerusalem. L'église du Seigneur là où il y avait le lieu d'adoration. Where he was in the place of worship. La Bible n'a pas cité des raisons pour lesquelles cet homme-là est sorti. The church did not explain why this man came out of. Il quittait Jérusalem comme tu quittes la restauration. He is leaving Jerusalem. Il est leaving restoration. Pour aller là où on t'a montré pour aller prier. C'est bien. Sure to go where you're supposed to be. Dieu est tellement bon. God is so good. Il y a des événements que Dieu permet à notre vie pour stopper les grands malheurs qui arrivent. The same event that God allows in our life is to stop. Sur le chemin, on the way the Bible says, les bandits se sont venus. All the sur the thieves came to him. The robbers came to him. Sur le chemin, follow me. Il était dans un endroit bien aimé. He was in a spot. L'enfant ne vient pas. Le boulot, tu n'as pas encore. Tu as beaucoup de choses que tu attends, que tu dois. There are many things that you are waiting for. Je suis d'accord avec toi. I'm okay with you. I understand. Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas là. It doesn't mean that God is not there with you. Cela ne veut pas dire que Dieu ne t'entend pas. That did not say. Dieu a préparé déjà Abraham qui est en train de quitter une heure à chaque fois. He's preparing Abraham who's leaving where he's coming from. Ta solution est dans le chemin. The solution is on his way. Tu quittes l'endroit de l'air. You leave that spot. Tu es dans le meilleur hôpital qui existe. You're in the best hospital that exists. Tu es dans la meilleure université qui existe. You are in the best university. Ton mari, tu le trouveras là où tu l'as dit. Your husband, you can find him there. J'ai vu les gens arriver à l'église de 100 familles. Mais ils ont trouvé à l'église un père et une mère. And the same people go. Est-ce qu'ici tu n'as pas trouvé une famille dans cette église? Tu n'as pas trouvé un confrère, tu n'as pas trouvé une grande sœur. Il y a des familles qui se sont formées, bien-aimés. L'église. The church. Mais ils quittent.
parce qu'on m'a insulté. Il quitte parce que je ne vois pas clair. Il quitte parce qu'on lui a dit que là-bas il y a des miracles. Pendant qu'il était en chemin, je dis à quelqu'un, heureusement qu'il y avait Jésus, heureusement, René. Toi et moi, on serait morts depuis longtemps. Parce que les magiciens nous ont imposé les mains. Les charlatans nous ont trafiqué les mains. Ce qu'ils ont appelé onction n'a jamais été onction. And God says, because of the anointing. Ça n'a jamais été onction. It was never the anointing. Même si tu es tombé, ça n'a jamais été onction. If you fell, maybe it was never the anointing. Quelqu'un dit heureusement qu'il y a Jésus. Yes, maybe there's Jesus. Thank God there's Jesus. C'est l'église, le seul is the only place. Le seul bateau. Voilà le Seigneur. Quand il le voit, il dit, je fais comment? C'est le Seigneur qui a permis que cet homme-là, qui lui a dit ce qu'il est arrivé. Il le ressent. To have to go through il va le déposer dans une auberge. And he went to place this man in a resting place. Ça veut dire que tu ne quitteras pas cette auberge. You will not leave. Je te sors pas par la neige, je te sors. And I need to take you out of this place. Qui sont les personnes qui ont fait 10 ans? C'est cette église à combien? How many years? 7 ans? 7 years. Qui sont les hommes qui ont fait 7 ans dans cette église? How many years have done? How many people have done 7 years in this church? On peut lever la main. 7 ans. 7. Levez bien la main. Raise your hand. Non, levez les mains. 7 ans. Raise your hand. 7 years. 7 ans ont fait 7 ans. 7 years. Ah, les hommes et les femmes? 7 years. Raise your hand if you've been here for 7 years. Vous voyez, même le maire, hein? Lui, il a fait 7 ans. Dit, avec 7 ans là, je fais 2 ans là-bas, je suis revenu. Je coupe dans l'église, on a posé les mains. Les 7 ans avec le coupure là, on le compte un peu à les sacrés. Ça s'est passé avec 7 ans. Parce que tu as quitté 4 fois, tu es revenu 5 fois. You left 4 times, you came back. Tu as mélangé les onctions. Je parle des gens qui sont restés ici pendant 7 ans, qui n'ont pas bougé d'ici. Plus haut la main. Raise your hand. 7 ans. 7 years. 7 ans, 7 ans. Voilà un point. Full time, 7 years. 5 ans, ceux qui ont fait 5 ans. 5 years. Dans la réalité, si nous sommes au même endroit, cela veut dire que si nous revenons ici 5 ans plus tard, if we come back here, cette église doit avoir 5 fois le nombre de là. We have to have 5 times the number that is here. Ton CV est rempli, l'église évangélique telle telle. L'église de la maison de la Pentecôte telle telle. L'église de la révélation de l'église telle telle. L'église de la règle de Dieu telle telle. L'église évangélique, la nuit de Dieu, t'es. C'est juste où? Il y a tellement un mélange d'onction dans toi, au point où tu es perdu toi. Ça doit s'arrêter. It has to stop. Tu dois avoir honte. You have to be ashamed. Même les enfants savent que maman est en train de faire ça. Maman le ramène ici. Mom goes here. Maman, on va aller prier là-bas. Non, non, let's go with that. Non, il y a un peu de temps là-bas. We go to the Baptist church. Il y a un souci. There's a problem. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Nous connaissons des mamans. We know moms. Des grand-mères. Grand-moms. Elles ont commencé dans cette église. They started in that church. C'est son pasteur qui leur tient. Their pastors are at the church from the beginning. Vous imaginez un peu? Do you understand? Il devient le pasteur de la famille. He becomes the pastor. Quand tu as 15 pasteurs, le jour où il y a un problème, 15 pasteurs arrivent. Yes. On ne sait pas qui va dire le premier mot. We don't know even know who's going to say. Quel désordre. Je suppose que nous sommes comme le Samaritain, le monsieur à qui nous sommes. Mais Dieu nous a rattrapés en cours de chemin. But God stopped us. Suis-nous la première. Tu n'es pas à la restauration comme par hasard. You're not a restoration church. Oh. By chance. No. C'est Dieu qui t'a attrapé. Toi. Là-bas, tu ne peux pas. Ok. Ok, you just don't want to go there. Okay. Bouge plus. Est-ce que tu peux dire au voisin? Tell your neighbor. Le voyage est fini. Elle dit à quelqu'un. C'est fini le voyage. Done travel. Voilà, on ne peut pas dire, parce qu'on a déjà un plan. Non. On a déjà un plan de partir la semaine prochaine. Hein? Voilà. You're done church. Il y a quelqu'un, le voyage est fini, ça s'arrête. Tell him you're done church shopping. Bon, il y en a qui parlent pas, c'est pas bon. Parlez à quelqu'un. Non, my neighbor.
Et malgré ça, personne ne va encore parler, pardon. Le voisin, ton voyage est fini. The trip is finished, you're done, share something. No more nothing. No more traveling. Allez, puis lui, c'est la dernière église. C'est la dernière église de change. This is the last church that you will change. C'est la dernière, c'est la dernière. This is the last trip. Voilà. On mélange les onctions à gauche et à droite. You mix all the anointings. On connaît, à l'église sur internet, ça ne se cache plus. L'autre dit clairement non, il faut, on peut sortir du corps. So you can come out of your body. Il se passe aussi. Je vais vous montrer comment sortir, mais pour rentrer, je ne sais pas. I will show you how to get out of my body. Je peux seulement vous expliquer comment sortir. I can explain to you how to get out of my body. Mais pour rentrer, je ne sais pas comment ça se passe. My body, I'm not very sure. I haven't read that. Vous allez dans des maisons, vous allez dans des maisons. Comment une femme, on te fait l'onction, on t'enlève tous les habits. They're praying for you that they're removing all your. On te fait l'onction sur le petit. C'est quoi ça? What kind of anointing is that? Oh, le prophète a dit, quel prophète? What prophet? From where? On est ensemble. I wish you guys. C'est fini le voyage. The trip is done. Si tu le fais, le Seigneur va t'attraper en cours de chemin, il va te ramener. God will take you from the road and bring you back if you do so. Dieu vous bénit quelqu'un. Il y a des hommes que Dieu a préparés pour nous sur le chemin. To bless someone, God has prepared certain people. Il faut un Ananias pour toi. You have to have an Ananias for you. Tous les serviteurs ne sont pas affectés. All the servants are not there for you, necessarily. Il y a une option pour vous. There's an anointing for that. Comment quelqu'un pendant 38 ans est assis? 38 ans assis dans une église. He's sitting on the church. Attendez, pas 3 ans, 38 ans. 3 years. C'est-à-dire que lui, il a écouté. Vous mariez, il connaît tous les mariages qui se passent. Il connaît l'histoire. Ce petit-là, quand il est venu, c'est qu'il était pour un bébé. Il was a baby. 38 ans. 38 years. Mais paraplégique. And he was not good. Parce qu'il savait que c'est mon dernier train aujourd'hui. Because this is my last. C'est ma dernière église. This is my last church. 38 ans. 38 years. Au même endroit. On the same spot. Tu es encore pour maintenant. Vous êtes sûr que l'année prochaine, quand vous viendrez, on vous verra au même endroit. You think next year, when we come back, we'll see different things? Si effectivement on a déjà accepté Jésus, Jésus, what are you looking for? Les avantages. Advantages? C'est Jésus qui bénit. Jesus Christ is the one that blesses. Vous-même, vous pouvez devenir cette église-là qui crée de la nourriture pour les autres. You can become the church. Parce qu'il y a la main de Dieu là. Many other people because of so many. Jésus l'a payé. Toi, tu restes dans cette. Jésus, tu restes dans cette. Tout ce que tu dépenseras en plus. Everything that you will spend. À mon retour. When I come back. Je te le rendrai. I will pay. Est-ce que tu veux te stabiliser? Would you like to be stable? Dieu ne peut pas te faire confiance parce que tu es trop volatile. God is not able to trust you because you're very volatile. Tant de temps, c'est beaucoup. 38 years is a lot. Mais en tant que temps. In 38 years, l'eau bougeait pour les uns. Was water shaken and all of the other people. Quelqu'un m'entend? Are you listening? C'est l'eau qui viendra vers toi. This water will come to us. Le miracle viendra vers toi. The miracles will follow. Tu n'iras pas chercher un homme. L'eau viendra vers toi. This man will come to you. Église, ce n'est pas ce que nous croyons que chaque fois. It is not what we believe, but Église, être dans la vision, dans le programme des yeux, the church is to be in the vision, in the spiritual of God, to be connected. Et je suis convaincu, mesdames et messieurs, nous saisissons ces choses. I'm convinced that if we seize on a tout péché, on a prié pour les gens sont tous les deux, ils sont relevés. C'est bien pour ça, c'est bien. Mais bien-aimés, je prie Dieu pour que le peuple, selon la connaissance de Dieu, la connaissance de l'endroit où vous êtes, ici c'est Bethesda, et c'est ici, la Bible dit, derrière ces portiques, il y avait un grand nombre de malades qui ne partaient pas. Ne pars pas de l'église. Reste. Stay. Si vous commencez son business, il commence seul. If you start his business alone, on ne commence pas une église dans la pêche dans l'aquarium, non. You don't fish in the fish. Si quelqu'un vient pêcher dans l'aquarium, c'est un brigand, c'est désolé, bien aimé. Je connais ce que c'est, je sais que c'est bâtir une église. Nous commençons là où il n'y a rien. We start where there's nothing. Là où il n'y a rien. Where there's nothing.
N'importe comment, c'est pas un souci. Il vient de récupérer pour te laisser en cours de chemin. They come to get you just to leave you anywhere. C'est ici ton église. This is your church. Ton numéro d'immatriculation, c'est ici. Your social. Quand tu te regardes, c'est restauration. Restauration. When you look at it, it says restoration church. Est-ce qu'on est ensemble? Are we together? Tu as envie de quitter? Tu as envie de bouger? You want to shake? You want to move and go somewhere else? Tu veux aller chez? You want to go to? Il n'y a qu'un seul Dieu. There's only one God. Toi, c'est Dieu qui t'a mis. God placed you here. J'ai des enfants qui sont là depuis que l'Église a commencé. I have children that have been in my ces enfants ont grandi dans nos mains, on les a mains. These children that grew up in our hands. Depuis plus de 20 ans, plus de 20 more years. Ils sont là. Yeah, ils ne sont ni prédicateurs. They're not preachers. Ils sont là, n'est-ce pas? They're just there. Peut-être que Dieu ne t'a pas appelé à la prédication. Maybe God didn't call you. Mais Dieu t'a appelé pour que tu sois là où tu es. But God called you to be where you are. Je prends un peu sur les mains. J'ai des gens à l'église qui ne savaient pas lire. I had people in church who did not know how to read. J'ai des gens à l'église qui sont venus maudits. I had people who came to church who were very cursed. Je peux vous assurer comment Dieu peut transformer la vie de quelqu'un. I can assure you how God can transform. Des personnes sur qui personne ne peut compter. No one could count on them. Mais ils ont su rester dans l'église. But they stayed in the church. Dieu fait des choses avec les temps. God does things. Quand tu fais des choses contre les temps. When you do things against time, le temps, je raconte toi. The time will go against you. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, et qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Il est comme un arbre. Il est comme un tree. Tu es planté. Tu ne donneras pas de fruits là où tu ne l'as pas planté. You will not bear fruit where God will not bear fruit. Tu es sec. This is why everything you do is dry. Nothing is working. J'ai des fils, je sais, la plupart de nos fils que nous avons serviteurs, qui ont été encore au Seigneur, c'est des enfants nés à Maranatha, dans nos seins, qu'on a formés à l'école publique Maranatha, qui sont les grands pasteurs qui dirigent les églises. Conçus dans la maison. Qui sont des serviteurs et des servants de Dieu, et pas de moines. Tu es comme un arbre. You're like a tree. Est-ce que je peux? Can I? Vous demander quelque chose. May I ask you something? Vous ne pouvez pas marcher avec un serviteur si vous n'êtes pas connecté à son action. You cannot walk with a servant of God if you're not connected. Quand vous voyez mes fils dans la foi prêcher, si vous êtes derrière la porte, on croit que c'est votre servant qui prêche. If you hear my son preach, you will think it's me when you don't see him. Là où ils sont, éparpillés avant le péché, ils vont appeler de la force. Donc, je vais commencer à faire papa, dis-moi. Ferme. Ils croient tellement. Ils sont connectés. Connected to me. Alors, la chose c'est quoi? Voici les fils sans comme des flèches, non? So the son ça veut dire que ne te lance pas toi-même, laisse que l'homme de Dieu puisse te lancer. Si tu te lances toi-même, tu tomberas là. If you go by mais si c'est moi qui te lance, la portée va être tellement longue que tu feras des choses beaucoup plus grandes que moi. On ne comprend pas cette verset, oui. On fera des choses plus que non. Si c'est lui qui te lance. If he's your man throwing you, throwing the arrows, you will go much farther. Je besoin de gens. I need people. Qui sont convaincus que cette église-là, c'est. Je ne fais pas d'appel de fond. I'm not calling people for it. I need people that are convinced. Savoir les gens pour qui cette église-là, c'est leur église. I need people that are convinced that quand c'est mon église, je l'investis pour mon église. If it is my church, je me bats pour mon église. I fight for my church. On ne me demandera pas, je vais aller évangéliser tout seul. I will go and preach myself. Et est-ce qu'il y a des gens que les mecs qui sont convaincus, c'est notre papa, c'est notre église. This is our father, this is our church. Est-ce qu'on est là? Are we there? Ceux de Restoration Church. Restoration Church. 5 ans plus tard, on reviendra. Moi, j'ai fait 6 ans. 6 years, you can say. On ne peut pas compter sur les visiteurs. On ne peut pas. On ne peut pas confier les responsabilités aux visiteurs. On ne peut pas. The responsibility. Parce que je ne sais pas pour combien de temps il est là. Because I don't know how long they're gonna stay.
notre dernier train. Our last train. Et c'est ta dernière chance. This is your last chance. Ne va pas perdre tout ce que tu as eu ici. Do not lose everything that you got. Le mauvais garçon soit dans la rue. All the bad boys on ils ont tout le nom, prophète des nations, ils ont tout le nom, la trompette de l'éternel, la bouche autorisée des dieux, ils ont tout le nom. The mouth, the authorized mouth of God. J'ai dit à quelqu'un, ta place est ici. Says, your place is here. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour si mes amis s'en vont. Si mes amis s'en vont. Qu'importe-moi, si mes amis s'en vont. Si mes amis s'en vont, qu'importe j'irai. Si mes amis, même s'ils abandonnent, qu'importe-moi, j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour au monde, je dis non. Au monde, je dis non. Joie.